Comment agir contre l'inceste était le sujet d'une table ronde à la Farlède, un événement soutenu par la ville et orchestré par l'association Face à l'inceste. Cette rencontre importante a réuni des professionnels et d'autres acteurs travaillant avec l'enfance pour discuter des moyens de lutter efficacement contre l'inceste. Le but, c'est de sensibiliser, d'informer et peut-être prévoir des formations, des choses comme ça. Comment on peut sensibiliser sur l'inceste? Ben, déjà, il faut une chose primordiale, c'est de croire l'enfant. Mais il y a maintenant de plus en plus des enfants qui parlent à travers des comportements, à travers des gestes qui ne sont pas normaux. Donc cette sensibilisation, elle va se faire à travers des outils que nous fabriquons, des plaquettes à l'attention d'enfants en fait, ou de collégiens qui leur apportent beaucoup d'informations en fait. J'ai, comme je pense tout le monde, entendu parler de ce fléau et j'ai été surpris par le nombre de victimes qui ont été recensées au travers de diverses enquêtes. Alors bien sûr, il y a une graduation dans les actes incestueux, il n'y a pas que des actes sexuels à proprement parler, mais tout de même, on parle de plus de 6 millions de personnes qui auraient été touchées par une problématique d'inceste dans leur enfance. On est face à quelque chose qui est très complexe, face auquel il faut être très modeste. Et on n'a pas la prétention de tout résoudre avec cette démarche, mais je pense que d'en parler, d'essayer de trouver des pistes d'amélioration pour traiter ce fléau, essayer de le détecter plus tôt aussi. Donc tout ça est très sensible, mais je pense que nous avons tout intérêt à en parler avec les professionnels de l'enfance qui sont réunis aujourd'hui à la Farlette, que ce soit au niveau scolaire, au niveau périscolaire, les crèches, les intervenants du Centre communal d'action sociale. De l'expérience de chacun peut ressortir effectivement un comportement à suivre. Je pense qu'on a tout à gagner effectivement à faire parler de cette association. Je suis là pour entendre et écouter et pouvoir ensuite nourrir les travaux parlementaires que nous pourrions mener sur le sujet. Une soirée de dialogue et d'engagement pour briser le silence dans le sillage des législations de 2021 et 2024. Face à ce qui reste à accomplir, ce débat sera-t-il le catalyseur de nouvelles avancées pour la protection de l'enfance ?